président de la République a eu un tête-à-tête avec le roi Abdallah II en toile de fond, le renforcement de l'axe de coopération entre les deux pays. Le gouvernement lance un vaste programme de désenclavement des 33 préfectures et communes rurales. Plus de 1000 km de bitume seront réalisés. Les travaux ont été lancés sur le tronçon Farana-Kabayaba via Kalanko. Sport, la finale de la deuxième édition des Jeux régionaux du Fouta s'est jouée au stade Michael Gakité de Mamou. En football féminin, c'est l'Abbé qui a remporté face à l'équipe de Pita. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois encore, bienvenue à tous. Le président de la République est en Jordanie. Professeur Alpha Condé a eu un tête-à-tête avec le roi Abdallah II. Les deux hommes d'État ont axé leur échange autour des questions de paix et de renforcement de la coopération islamique. Sanassi Keïta, du bureau de presse de la présidence de la République. Le palais royal d'Amman, la capitale de la Jordanie. Le président de la République arrive pour une visite d'État. Professeur Alpha Condé est accueilli par le roi Abdallah II au trône depuis le 7 février 1999. Une première visite du professeur Alpha Condé au royaume hachémite de Jordanie. Les deux personnalités s'entretiennent ainsi sur plusieurs axes de coopération, notamment la défense, la santé et l'agriculture. Un tête-à-tête qui a permis au professeur Alpha Condé et au roi Abdallah II de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le royaume de Jordanie. Les deux personnalités, en compagnie de leurs délégations respectives, ont réitéré cette même volonté d'aller dans le sens de la redynamisation de l'axe de coopération Conakry-Amman, en commençant tout d'abord par ouvrir les représentations diplomatiques dans les deux capitales, Conakry et Amman. Hier soir, j'ai eu l'occasion de rencontrer les hommes d'affaires à la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons échangé sur la possibilité de développement de la relation économique. J'ai promis que j'allais faire une demande, c'est d'ouvrir une ambassade en Guinée, comme vous avez ouvert au Kenya et en Éthiopie, pour que la Guinée serve de tête de pont pour aller en Afrique de l'Ouest. Alors je vous demande la possibilité d'ouvrir une ambassade en Guinée. Nous avons parlé aussi de la tenue d'une commission mixte paritaire entre les deux pays pour définir les domaines de coopération. Ils ont dit qu'ils vont faire un voyage en début décembre, donc nous avons demandé qu'il y ait un forum en Guinée pour présenter des productions de la Jordanie,
mais aussi échange entre les hommes d'affaires guinéens et les hommes d'affaires jordaniens. Bientôt donc la tenue d'une commission mixte paritaire entre Conakry et Amman. L'objectif étant surtout de définir les domaines dans lesquels la Jordanie et la Guinée comptent évoluer pour renforcer leur coopération. Après le Palais Royal, le président de la République a échangé avec le président de l'autorité palestinienne. Les discussions entre professeur Alpha Condé et Mahmoud Abbas ont porté notamment sur la redynamisation des liens de coopération entre les deux pays. Retrouvons Sanassi Keita. Après son entretien avec le roi Abdallah II de la Jordanie, le président de la République rencontre le président de l'autorité palestinienne. En compagnie de leurs délégations respectives, professeur Alpha Condé et Mahmoud Seliman Abbas discutent de plusieurs questions importantes, notamment l'instauration de la paix dans certains pays du monde et le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les deux présidents n'ont pas manqué de témoigner de leur volonté d'œuvrer dans le sens du renforcement de la coopération entre les États membres de l'OCI dans les domaines économiques, sociaux, culturels, scientifiques, ainsi que dans les autres domaines d'importance vitale et procéder à davantage de consultations entre les pays membres au sein des organisations internationales. Professeur Alpha Condé et Mahmoud Seliman Abbas ont enfin souligné l'importance de redynamiser la coopération entre Ramallah et Conakry dans tous les domaines d'activité socio-économique. La coopération guinéo-française au beau fixe en témoigne la présence d'une délégation de l'école polytechnique de Paris à Conakry. Elle a été reçue en audience par le premier ministre chef du gouvernement. La mission s'engage à accompagner le gouvernement guinéen dans la formation des cadres pour un enseignement d'élite dans les institutions supérieures. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Pour une meilleure qualification du système éducatif, le gouvernement guinéen, à travers le département en charge de l'enseignement supérieur, s'engage à créer des classes préparatoires pour un enseignement d'élite. D'où cet échange d'idées entre les scientifiques de l'École polytechnique de Paris, élargi au cadre de l'Institut national polytechnique de la République de Côte d'Ivoire et de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous souhaitons aider les pays d'Afrique et notamment le gouvernement guinéen à mettre en place des filières de formation d'excellence pour faire en sorte que les meilleurs étudiants reçoivent le meilleur enseignement possible. Et bien, il va progresser au fur et à mesure qu'on aura à la fois une bonne capacité d'identification des meilleurs étudiants et la capacité de mettre en face d'eux des enseignants qui auront été formés pour leur apporter les meilleures connaissances disponibles. Nous sommes un consortium de Kolayam Sokro. Nous formons dans le domaine des travaux publics, nous formons dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du commerce, dans l'agronomie, nous formons aussi pour les mines. Et ici, nous sommes en partenariat avec l'école des mines de Bokeh qui nous accompagne aussi dans la mise en place de notre programme de formation en environnement minier et environnement tout court, pour que dans notre région, il y ait des experts qui s'occupent de ces questions. Ce partenariat entre l'École polytechnique de Paris et l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry se renforce davantage avec la formation des futurs cadres. Toute chose qui réconforte le Premier ministre, chef du gouvernement. Pourquoi je me réjouis de cette rencontre, c'est que vous comprendrez, vous avez bien suivi aujourd'hui, que les jeunes Guinéens vont pouvoir accéder à des écoles de ce calibre. Et je salue en cela la vision, l'opportunité offerte aux jeunes à travers le chef de l'État qui a propulsé et impulsé ce mouvement avec le ministre aujourd'hui qui a engagé ces discussions qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ce partenariat avec l'école polytechnique et même d'autres grandes écoles françaises puisque le concours qui vont passer à partir de l'année prochaine va leur permettre d'accéder à ces grandes écoles. C'est une étape complémentaire qui devrait permettre de mettre en place des meilleures filières pour le développement de nos institutions d'enseignement. Intégration sous-régionale. Les députés du Parlement de la CEDEAO sensibilisent les communautés frontalières sur les textes réglementaires et la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace. Ils étaient récemment à Cambia, en Sierra Leone, pour expliquer le rôle de cette organisation sous-régionale. Reportage Moussa Bangoura. Cambia, en République de Sierra Leone. C'est dans ce district que les députés du Parlement de la CEDEAO, au compte de la Guinée,
et la Sierra Leone se sont donné rendez-vous pour la sensibilisation des communautés frontalières. Le but est d'expliquer à la population les textes réglementaires, le fonctionnement du Parlement et le mouvement des peuples entre les différents États de l'institution sous-régionale. Ce n'est pas seulement Guinée-Sierra Leone, mais tous les pays qui sont frontaliers. Il y a cet échange-là de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Et je pense que la CEDEAO est en train de faire beaucoup. Parce que quand entre des pays voisins et quand nous disons qu'il y a 15 États de l'Afrique de l'Ouest, il faut les visas. Donc là, c'est une opportunité qui est donnée à tous les pays pour pouvoir circuler librement. Donc c'est un appât que chaque peuple, chaque population de cette sous-région doit vraiment prendre en forme. Les peuples guinéens et léonais étant des frères, il est important de renforcer davantage les liens de coopération afin que le développement soit possible entre les deux États. Cette rencontre de Cambia suscite de l'espoir chez les Léonais. Ici, vraiment, c'est des frontières artificielles entre les Guinéens, entre la Guinée et la Sierra Leone. Il y a les Sosos ici, comme moi, de Peul, de Madinke, qui ont des parents là-bas, des frères là-bas. Mais encore, on est réunis dans cette organisation, la communauté de la CEDEAO. Donc c'est très important, surtout pour la population frontalière, qui font beaucoup de navettes entre les deux pays, qui ont des parents là-bas et qui ont des parents dans tous les deux côtés de la frontière, de vraiment venir nous sensibiliser et qu'on sache de quoi il s'agit, quels sont les bénéfices pour les populations. Toutes les circulations libres, parce que Sierra Leone, Guinée, Nigeria, toute l'Afrique de l'Ouest, c'est la même peuple. Donc, libre la circulation, c'est bon pour le peuple. Donc, le Parlement de CEDEAO, toujours concentré entre le peuple de parler. D'autres sites frontaliers sont aussi prévus par les députés du Parlement de la CEDEAO, notamment du côté du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. L'idée est de rapprocher les communautés de la sous-région. On en vient à la page politique. La CENI, dans la perspective des élections communales, les membres de l'institution se sont entretenus avec le corps diplomatique accrédité en Guinée. En toile de fond, les activités à mener et le chronogramme de ces joutes électorales. La synthèse de la rencontre avec Makeme Dunzo. Cette rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et les ambassadeurs accrédités en Guinée porte sur l'organisation prochaine des élections locales. Le président de la CENI a fait un briefing sur l'état d'avancement des activités liées au chronogramme, une manière de rassurer le corps diplomatique sur la tenue de ses consultations à la date proposée, une date qui doit être validée par un décret présidentiel. La CENI fait tout pour que les violences ou les contestations liées aux opérations proprement dites des élections soient le plus amoindries possible, en faisant en sorte que la transparence gouverne toutes nos activités, du début jusqu'à la fin. Pour parer à l'insuffisance des magistrats devant présider les 342 commissions administratives de décentralisation des bureaux de vote, la CENI a saisi la Cour constitutionnelle. Désormais, dans chaque sous-préfecture, l'institution électorale compte déployer un informaticien et un juriste au niveau des commissions de réception et de validation des candidatures, des dispositions saluées par les diplomates. C'était une bonne initiative de la CENI, c'était très transparent à l'horizon. Je vois un fort niveau de confiance des membres de la CENI qui ont avancé vers les élections pour le 4 février. On est très optimiste en ce qui concerne des élections début février de l'année prochaine. Dans la dynamique d'apaiser les différents acteurs, la Commission électorale nationale indépendante a déjà mis en place un dispositif de sensibilisation au niveau local. Il a pour mission de prendre en compte l'avis de tous les acteurs du processus électoral. Et puisqu'on parle élections locales, le RPG Arc-en-Ciel prépare ses missionnaires techniques et politiques. Plus de 300 membres du parti vont être déployés dans les communes rurales et urbaines du pays. Une opération séduction puisqu'ils doivent maîtriser la cartographie électorale et mobiliser des électeurs. Baba Kouyaté.
En prélude des élections communales prévues le 4 février 2018, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés s'activent sur le terrain. Des missionnaires techniques et politiques apprennent la stratégie électorale et le mode de désignation des candidats à la base. Objectif, informer les responsables et les militants sur les enjeux des élections de proximité. Nous voulons montrer ici à la face du monde que le RPG Arc-en-Ciel est un parti démocratique. Pour le choix de nos candidats, nous laissons ce choix à nos structures de base. Donc c'est nos structures de base qui vont nous remonter les listes de candidats jusqu'au niveau national et qui seront acceptées et validées seulement après approbation au niveau de la base. Donc ils vont suivre donc la relocalisation des électeurs. Ensuite, ils vont suivre aussi la validation des candidatures. Donc ça, c'est extrêmement important aussi pour nous. Au terme de cette formation, ces cadres du parti au pouvoir vont être déployés dans les 345 communes rurales et urbaines du pays. Ils ont pour défi d'appuyer les structures du parti à la base. Deux groupes de missionnaires s'apprêtent, n'est-ce pas, à descendre dans l'arène politique. Le premier groupe est constitué de missionnaires politiques qui vont en quelque sorte faire un travail de remobilisation, d'organisation, de gestion des candidatures au niveau des différentes circonscriptions électorales. Le deuxième groupe est composé de jeunes cadres qui vont accompagner nos structures de base, apporter un appui technique à nos démembrements. Un calendrier de déploiement est déjà validé. Les missionnaires qui quittent Conakry les prochains jours auront 20 jours pour remobiliser les militants et les sympathisants avant les prochaines élections locales. Le débat sur les finances publiques prend fin au terme de 3 jours d'échange. L'objectif est de renforcer les capacités des étudiants guinéens sur les questions liées à l'administration financière. On fait le point complet avec Mamadi Gassama, pour qui ces journées d'échange sont liées au Forum international de Conakry sur le même thème. Le Forum international sur les finances publiques, c'est aussi une occasion pour les étudiants guinéens de rencontrer de grands spécialistes du monde économique venus à Conakry pour le forum, comme Albert Jeffac, l'économiste en chef de la région Afrique à la Banque mondiale. Après leur communication au lieu de l'événement, ces derniers sont à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia pour débattre avec les futurs cadres du pays des maux dont souffrent les économies africaines en général et celles guinéennes en particulier en matière de finances publiques. Le message, c'est que le budget est un outil de développement. C'est un outil que l'on peut utiliser pour éradiquer la pauvreté en une génération. C'est possible et des pays l'ont fait, y compris des pays africains comme le Botswana. Donc il est important de renforcer les mesures de réforme qui ont été entreprises déjà en Guinée pour s'assurer qu'on ait plus de transparence dans le budget et que le budget puisse financer les axes de développement qui permettraient de maintenir et de soutenir la croissance élevée pendant de longues années. L'efficacité des politiques publiques, la transparence budgétaire sont les thèmes développés durant ces 3 jours de rencontre. 2 thèmes d'actualité qui ont permis aux étudiants et encadreurs d'être édifiés sur le mode de fonctionnement et de gestion de la chose publique. J'ai eu à acquérir beaucoup de connaissances, notamment la création de l'entreprise et ensuite la gestion. C'est vraiment une fierté pour nous d'abriter ces conférences-là. Et chaque année, ces experts que nous connaissons déjà viennent ici et chacun s'occupe d'un domaine particulier. Cette année, c'est les finances publiques qui sont concernées. L'exposé a été, n'est-ce pas, très très élaboré et les étudiants ont pris du goût à l'écouter jusqu'à la fin. Ils ont posé des questions qui sont très intéressantes et ces questions ont été également répondues à la satisfaction des uns et des autres. Le but recherché dans cette 2e édition du Forum économique sur les finances publiques est d'intégrer aussi bien les étudiants et les décideurs dans la formulation et l'évaluation des politiques publiques en Guinée.
travaux publics, le gouvernement prévoit la réalisation de plus de 1000 km de bitume dans les 33 préfectures du pays. Un vaste programme de désenclavement qui va également toucher les communes rurales. Le top départ de ces travaux a été donné sur la route Farana-Kabayaba via Kalinko en présence de notre reporter Ansoumantoumani Kamara. C'est un tronçon de 42 km qui traverse 15 localités de la contrée de Mafindi, l'autre grenier de la préfecture de Farana. La voie part de Faranaville à Kabayakoro en passant par Kalanko. Elle doit son existence aux efforts manuels des populations des localités traversées. Ici, depuis l'indépendance, ce sont les tout premiers travaux d'envergure lancés par le gouvernement. Ces travaux historiques de désenclavement s'élèvent à plus de 12 milliards de francs guinéens. Chez nous ici, c'est avec le hamac que nous transportons nos malades. L'écoulement de nos produits agricoles vers le centre était impossible. Aujourd'hui, je dirais que c'est la proclamation de l'indépendance de Mafindi. C'est une route extrêmement importante. Les collectivités reliées par cette route sont des zones à grande potentialité agricole. C'est une fierté pour moi de voir cette route aujourd'hui en train d'être construite. La contrée de Mafindi ou le pays Kouranko à Farana est ceinturée par le fleuve Niger et ses affluents. Faute d'ouvrages de franchissement, ces zones agricoles sont souvent coupées du chef-lieu de la sous-préfecture Tiro et du centre-ville. Et les travaux de réhabilitation tiennent compte de ces caractéristiques géographiques. Tout le long de ces tronçons, nous avons beaucoup d'ouvrages à réaliser, beaucoup de petits ouvrages, une soixantaine. En plus de cela, il y a un pont de 20 mètres linéaires à construire. Donc le délai, en fonction des travaux, le délai est suffisant pour la réalisation de tous ces travaux. Dans 8 mois, les travaux de réhabilitation de la route Farana-Kabayakoro via Kalanko seront terminés. C'est une période de prospérité qui s'annonce donc pour ces 15 villages désenclavés et qui désormais ont la facilité de faire la transaction de leurs produits agricoles et de l'élevage. Pendant ce temps, à Kundjan, 450 hectares de riz sont mis en valeur par les unités militaires de production agro-industrielle dans le cadre de la campagne agricole 2017. Ce coup de pouce du programme de productivité agricole expérimente également 60 tonnes de semences de riz à haut rendement dans la plaine de Kundjan. Reportage Mohamed Aïchassila, Faux des Camarades. L'objectif de cet investissement de plus de 100 milliards de francs guinéens financé par le budget national de développement est de permettre aux producteurs de la plaine de Kundjan de cultiver en toute saison. Ceci grâce à un bassin de retenue de 8 millions de mètres cubes. Un site idéal pour l'expérimentation des nouvelles semences de riz à haut rendement. En cette fin de campagne, les paysans bénéficiaires semblent conquis par le cycle et le rendement du riz Nerica. Nous sommes vraiment contents. C'est vraiment une bonne qualité de semences de riz, avec ses épis de 22 à 23 graines. C'est le signe des meilleurs rendements. Le riz monte conformément à la lame d'eau. Inscrite dans l'agenda 2017 du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, l'initiative présidentielle de soutien au développement rural affiche ses premiers résultats ici à Kundjan. Le Nerica a révélé son pouvoir germinatif. Nous, tout ce qu'on a apporté comme élément nouveau, c'est de la semence pure. En fait, une semence qui est homogène et qui n'est pas du tout mélangée avec d'autres variétés. Et c'est cette homogénéité, en fait, qui nous garantit toute cette productivité que nous voyons maintenant en termes de rendement, en termes de qualité du riz. Et nous voyons par les images que le riz, il est totalement homogène. Vous avez la même taille, les mêmes niveaux de maturité. Et cela dénote vraiment de la qualité de la semence. Et nous essayons de travailler dans ce sens. La plaine de Kundjan offre une plateforme de collaboration civilo-militaire. Déjà sur 450 hectares pousse du riz cultivé par les unités militaires de production agro-industrielle. Des unités militaires sur pied de guerre pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La direction générale est là, en train d'appuyer le gouvernement, d'appuyer le président de la République dans l'atteinte des objectifs sectoriels du ministère de l'Agriculture, qui est l'objectif premier, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et de la sécurité alimentaire. Au-delà de la culture du riz et des produits maraîchers, la plaine aménagée de 1000 hectares de Kundjan
offre aussi des opportunités de diversification alimentaire. La cuvette de retenue de 8 millions de mètres cubes joue aussi le rôle d'étang piscicole pour la commune rurale de Koundian et des villages environnants. Santé, l'actualité, c'est la lutte contre le diabète. Comment réussir le pari? Officiellement, 130 000 patients sont répertoriés et ce nombre pourrait augmenter. Une campagne de dépistage volontaire est lancée à Matam. Les femmes enceintes, surtout, sont encouragées à connaître leur statut. Sam Maratono. Au centre de santé de Matam, l'affluence est grande ce matin. Sous ces tentes aménagées pour la journée mondiale dédiée à la prévention du diabète, les dizaines de femmes se font dépister de la maladie. Les femmes enceintes aussi participent à la consultation. Elles constituent une couche à risque, selon les spécialistes. Le diabète et les maladies chroniques non transmissibles en général sont des pourvoyeurs de mortalité au niveau de la mère et de l'enfant. C'est pour donner un éclairage particulier à cette situation dans laquelle les femmes mettent au monde des gros bébés avec des accouchements difficiles qui conduisent parfois à des césariennes qui malheureusement parfois aussi peuvent se terminer par le décès maternel. Selon les données de l'OMS de 2016, 130 000 personnes vivent avec le diabète en Guinée. Pour mieux prévenir cette maladie, les responsables en charge des questions de santé annoncent la création d'une nouvelle plateforme d'échange d'informations. Elle servira désormais de conseil et de guide de prise en charge du diabète à l'ensemble des populations, des patients et du personnel soignant. Plateforme qui est dédiée au grand public, où on peut avoir des informations générales sur le diabète et tester son risque de devenir diabétique. Plateforme dédiée aux patients, où les patients peuvent poster des résultats pour leurs soignants, prendre des rendez-vous personnalisés, avoir des informations ciblées sur leur pathologie. Et plateforme enfin pour les médecins, pour nous permettre à n'importe quelle occasion, sur toute l'étendue du territoire, de nous connecter sur cette plateforme-là et avoir des informations très précises sur les patients que nous suivons. Pour faciliter l'accès des populations aux soins de qualité, les spécialistes de santé misent aussi sur la formation du personnel soignant de toutes les structures sanitaires du pays. On souhaiterait vraiment qu'une unité soit créée dans notre centre ici pour la prise en charge. Parce que tout le monde va à Donka, tout le monde se mobilise pour aller à Donka. Et Donka ne veut pas être le seul centre de prise en charge des cas de diabète. Le manque d'exercice physique, le régime alimentaire non contrôlé sont parmi les principaux facteurs de risque du diabète. Des comportements que les professionnels de la santé comptent éradiquer à travers des campagnes de sensibilisation des populations. Le paiement de la pension n'est pas arrêté. Les retraités pourront toujours compter sur cette prise en charge de l'État. Des rumeurs avaient annoncé l'arrêt de l'opération, mais les responsables de la Fédération nationale des retraités se montrent rassurants. Reportage à Bibiam. Depuis quelques jours, une rumeur fait état de l'interruption du paiement des pensions chez les retraités de Guinée. Une fausse alerte prise au sérieux dans cette corporation. Cette réunion d'urgence a lieu pour parer au plus pressé. La pension a été bloquée par le ministre, ainsi de suite. Alors c'est pour cette raison que nous avons mobilisé les retraités pour leur expliquer en réalité que rien n'est bloqué. Tout est normal, on est en train de payer tous les retraités. Même si vous partez au sein de la PRI ou dans les communes, vous trouverez les retraités en train de percevoir leur dû. Inquiets, les délégués régionaux de la Fédération des retraités civils et militaires du pays se sont déplacés sur Conakry. Dans une unité d'action, ils entendent mettre un terme à toute spéculation sur les conditions de leur traitement. Les pensions se payent continuellement à main ou sans entrave. Je confirme ce soir qu'il n'y a pas arrêt de paiement de pension de retraités pour le moment. Je parle le cœur en paix. Le recensement biométrique, comment vous le trouvez? Est-ce que ça compromet la suite de votre prise en charge? Non, ça ne compromet pas. Actuellement, d'ailleurs, le CAMSAR, précisément, ils sont en train de payer. Toute la région de Bokéa a été payée. Le dernier paiement est en train de s'effectuer à CAMSAR. Désormais, au même niveau d'information, ces pensionnés repartent confiants. La rumeur a eu toutefois le mérite de renforcer le lien qui unit ces retraités.
Il est distingué au rang de l'Ordre national du mérite. Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, vient d'être décoré par l'ambassadeur de Guinée en France. Cette distinction est le résultat de sa contribution au renforcement de la coopération économique entre la Guinée et la France. Un hommage à Mustafa Kemal. Il est considéré comme une des plus grandes figures de la Turquie contemporaine. Ce grand homme, disparu il y a plus de 7 décennies, s'est activement impliqué dans la démocratisation de son pays. Aujourd'hui, les Turcs de Guinée commémorent sa disparition. Mohamed III Camara. Ressortissants turcs et personnels de l'ambassade tous rendent hommage à l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de la Turquie. Mustafa Kemal Atatürk, né en 1881 dans l'Empire ottoman, est celui qui a fondé la Turquie moderne à partir de 1923. L'événement est annuel. Drapeau en berne, l'hymne national exécuté en chœur, les Turcs se souviennent. Traditionnellement, le jour de l'anniversaire de la mort d'Atatürk, des centaines de personnes se ressemblent aussi au palais de Dolmabahçe à Istanbul, sur les rives du Bosphore. C'est dans l'une des 285 pièces du palais que le fondateur de la République de Turquie a rendu son dernier souffle le 10 novembre 1938 à 9h05, heure à laquelle toutes les pendules du palais ont été arrêtées. Il y a de cela 79 ans que les Turcs partout à travers le monde se trouvent et commémorent la date marquant le décès de celui qui a octroyé le droit de vote aux femmes et instauré la laïcité dans la Constitution. À Ankara, la dimension de son mausolée rappelle aux visiteurs l'importance qu'accordent les Turcs à l'homme. Sport, la finale de la deuxième édition des Jeux régionaux du Fouta s'est jouée au stade Michael Diakité de Mamou. En football féminin, c'est l'Abbé qui a remporté le trophée face à l'équipe de Pita. Les temps forts de la rencontre avec Momo Salouba. Au stade Michael Diakité de Mamou, l'équipe féminine de l'Abbé à maillot vert et celle de Pita ont offert du spectacle au public sportif pendant 90 minutes. Face aux offensives des joueuses de l'Abbé, le match s'est joué dans la moitié du terrain de l'équipe de Pita. À la 43e minute, la numéro 10 de l'Abbé a inscrit l'unique but de la rencontre. En seconde mi-temps, le match retrouve son équilibre, mais les filles de Pita courent derrière l'égalisation jusqu'à la dernière minute. Le score reste inchangé. Aujourd'hui, je suis très très contente. J'apprécie mon coach Georges et mes camarades. Je suis très contente. J'encourage l'équipe de Pita pour l'effort qu'ils ont fait. J'aimerais bien qu'on... Au fait, aujourd'hui, les mots me manquent. Pourquoi? Chez les garçons, l'équipe de Mamou est allée arracher la coupe à l'Abbé face aux représentants de Dalaba. À leur retour, les champions sont accueillis par les autorités préfectorales et les cadres du ministère des Sports. Les Jeux régionaux du Fouta ont mobilisé plus de 430 athlètes. Ils ont compétis dans différentes disciplines sportives. Nous avons constaté la présence pour la première fois depuis une vingtaine d'années des équipes de Touguay et de Mali à ces compétitions. Des équipes qui n'existaient plus dans l'ardoise de la Fédération guinéenne de basketball, mais qui sont venues se battre et montrer ce dont elles sont capables. Et nous espérons que ces jeunes talents qui ont été vus au Fouta vont continuer à se battre pour qu'ils soient les meilleurs de la Guinée les prochains jours. Cette deuxième édition des Jeux régionaux du Fouta est placée sous le signe de la citoyenneté et de la paix. Et puis avant de refermer ce journal, ce communiqué de la HAC, la Haute Autorité de la Communication a appris avec une vive émotion le décès tragique de M. Oumar Rafiou Diallo, journaliste à la radio Bonheur FM. Décès survenu le lundi 13 novembre 2017 dans un accident de la circulation à Conakry. En cette douloureuse circonstance, la Haute Autorité de la Communication adresse ses condoléances attristées à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la presse nationale. Elle les rassure de son soutien et de sa solidarité. Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder au regretté Oumar Rafiou Diallo sa grâce et lui ouvrir les portes du paradis. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.